Bonjour à tous, bienvenue sur LanguageCraft pour un nouvel épisode de SimCity en multi avec l'équipe LanguageCraft. Aujourd'hui, c'est pas Flubber qui se joint à moi, c'est pas Grolex. Épée est de retour parce que vous l'avez acclamé, vous vouliez le revoir, je sais pas pourquoi, mais... On se demande pourquoi. Ouais, moi je me le demande. Et Vava est de retour, le grand retour de Vava. Pour vous jouer un mauvais tour. Ok, merci. Il s'est remis à Loutboul, lui, et donc lui, il vient juste de commencer sa région. Forcément, il n'était pas là parce qu'on avait dû recommencer la partie. Mais voilà. Donc lui, désolé, hein. Bon, il a de retour, mais bon. Ah là là. Et moi, je suis riche et super. Si vous avez eu un message pour mettre à jour la région, bah c'est une super façon de commencer l'épisode. Je suis content. Ouais, moi aussi, c'est top, c'est dynamique. Voilà. Merci. Voilà. Je sais pas pourquoi ça fait ça, mais admettons. Donc ça crache pas. Et du coup... ah mais non, mais vous êtes même pas avec moi, du coup je sais pas quoi vous dire pour... Enfin, quel projet faire au centre. Vous avez un nouveau contenu dans la région. What? Non mais si tu veux. Bah il me raffiche encore le message. Eh, il t'a encore dit ça? Ah, bah écoute. Vous êtes même pas dans le même carré, vous non plus. D'accord. Okay, on ne me bras cassé, je te jure. Je sais pas quel projet faire, moi. Apparemment, c'est vraiment en résidentiel, il y a énormément de demandes. Du coup, après, qu'est-ce que t'entends par projet? Ouais, c'est le grand projet archéologie. Attends, tu te poses encore la question alors que nous pensons tous à la même chose. Peut-être pas. Hein. Tu penses à quoi? Si. Programme spatial. Voyons. Ouais, pour le programme spatial, du coup, il faut que je fasse une université. Enfin, il faut que je. Il faut surtout du pétrole, mon petit. Et c'est pas du pétrole simple, c'est du mazout. Ouais, tu t'en fiches, tu l'importes. Ah non, tu peux pas l'importer aussi facilement. Ah, mais c'est pas grave, moi j'en ai un de trucs de pétrole. T'as la raffinerie. Et après, tu le transformes en mazout. Ah non, j'ai pas encore la raffinerie, non. Mais, Bah voilà. Ah, bon. Oui, bon, hein, je fais ce que je peux. Bon, bah du coup, on va en mettre un deuxième. Lui, il est plein, je crois. Hop. Moi je sais pas si j'ai à côté de moi, je vais peut-être faire l'aéroport du coup. Ah si, ça y est, je peux mettre le quartier oui, général pétroleum. Bon bah, il faut que j'attende un million. T'as pas un million sur toi des fois, non? Si si, j'ai 1 700 000 moi. Ah oui, mais non, on est à l'opposé. Bah ouais. Oh, pourquoi? Qu'est-ce que tu voulais? Pourquoi? Ah bah, pour débloquer le projet des 1 million, faire le truc avec les avions, là, l'aéroport. Le truc avec les avions, merci. C'est bien. Je fous là, moi. Criminalité trop élevée. Non. C'est faux? Ah bah, c'est dans le vert, mais... Ah non, c'est un crime par jour. Ouais, bon. Ouais, oh... Ah ouais, ils sont pas tous morts. Ils sont pas tous morts, pour le moment. Ouais. Ça fait bizarre de reprendre. Ça viendra. De quoi, de reprendre la partie? Ouais, ça fait un bail, hein. Bah ouais. Ta faute, hein. Oui, sans doute. Mais c'est toujours de ma faute, hein, de toute façon. Ouais. Ah, en plus j'ai pris une région qui a pas beaucoup d'eau. Ouais. Oh. Ouais. Allez, go. L'or noir est à moi. Moi en fait, comme d'hab, hein, j'ai fait le boulet parce que... Ça fait encore. J'ai quasiment pas de flotte. Ben voilà. Mais qui vient juste de choisir sa maison, ça y est, il est pas content.
Ah, ça vibre. C'est pas beau. Bah, comme d'hab. Voilà. Ça changera pas, hein. Bah, non. Ah, j'ai vu que t'avais développé les panneaux solaires thermiques. C'est possible. C'est pas possible, c'est sûr. Non, mais sans doute. Là, je suis en train de développer le réacteur nucléaire niveau 2. Oh. Bah, pourquoi je... Mince. Ah oui, non, d'accord. Hop, voilà. Hop. Bon alors, comment vous en sortez, vous, du coup? Épée, t'as combien de population, toi? Moi, je suis à quasiment 30 000. Pas mal. Oui, t'as fait deux fois moins d'épisodes que moi, donc ça se tient. Ah ouais. J'ai plein d'autres régions en cours. Ah oui, moi aussi. Perso, j'en ai 100 fois moins que Épée, hein. Donc ah bon 200 fois moins que moi, à peu près. Ouais, voilà. C'est bizarre. Oh, ça va, t'as commencé il y a 2 minutes, toi. Il râle déjà. Ça va, hein. Pourquoi il est fermé par le maire? Non, il est pas fermé. J'ai fermé des bâtiments, je sais même pas pourquoi. Mais bon, voilà. C'est... Ouais, on dira rien. Il faut combien? Il faut 160 000 pour le truc de pétrole, c'est hallucinant. Bah ouais. Pour la raffinerie, je vais jamais la débloquer à ce rythme-là. Faut que t'exportes pour 160 000. Ah ouais, mais il en faut combien des champs de pétrole complets, du coup? Ah bah tu peux en mettre deux. Bah j'en ai deux, là. Et je suis qu'à... Ouais. Et je suis qu'à 18 000. Le truc, Bill, c'est... Ça ne font... Enfin, c'est... Comment dire? Tu pourras produire, mais vendre, ça, tu auras énormément de mal, parce que moi, j'avais fait aussi le truc pour débloquer le mazout, j'y suis jamais arrivé. Et t'exportes tous les 18 ou 24 heures, si je ne m'abuse. Quoi? Je mettrais bien la statue de la liberté chez moi. Si t'as assez par heure. Comment ça, si j'ai assez par heure? Bah, comment dire? Elle te coûte cher, pour au prix d'achat, je crois. Mais elle te coûte aussi cher au nombre par heure. Ouais. Attends, faut que j'aille revoir ça. Bah, a priori, ça allait, hein. Ça doit être 200, un truc comme ça. Ouais, mais ça te rapporte pas mal aussi, en théorie. En théorie, ça marche. En théorie. Ah, attends, que je regarde, ça te coûte combien une... Attends, elle est où? 450 par heure, je suis à 8000. Oh, bah ça va. Bah, tu peux en mettre une 6, 7... Empire State Building, oh, ça va pas trop avec la ville, je trouve. Surtout pas quand c'est un réacteur à côté. Non, j'ai pas de ré... Ah si, c'est vrai, j'ai mon réacteur, je l'ai oublié, lui. Ah, mais il est éteint. Ah, oh, oh c'est bien. Ah oui, mais non, parce que il avait failli me péter à la gueule la dernière fois, donc... il aurait dû. Ça aurait pu être drôle. Ouais, toi aussi. Voilà, j'ai mis la statue de la liberté. T'es sûr? Ouais. Si. Vous savez que je vais le couper au montage, mon éternuement. Bah ouais, mais maintenant, vu qu'on l'a dit, tout le monde le sait, donc... Ouais, c'est pas grave. Bah non, tu te rends compte, sinon, le nombre de fois que j'éternue en épisode et que je le coupe, parce que sinon, bah, c'est trop fort, quoi. Un gros pic. Bon, bah, je sais plus ce que je devais faire, moi, du coup. Je crois que j'ai rasé tout un quartier, et du coup, j'ai perdu 12 000 de population. Je viens juste de me rendre compte en mode « Oh tiens, ça a eu cet effet-là » ouais. Bah ouais. Qu'est-ce qu'ils veulent encore? Transport, train... Guerre non connectée... Quat? Quat? Oui, quat. Crack. Ah bah oui, elle est fermée, la gare. Oh, mais ils sont tout le temps en train de se plaindre du crime. En même temps, hein, chez toi...
Ouais, il y a plein de gens qui déménagent, c'est un truc de malade. Venez chez moi, venez chez moi. La ville est en pleine expansion. Par contre, j'ai que des rues partout. Ouais, moi aussi, en pleine expansion. On perd 10 000 personnes par jour. Trop de crime, apparemment, alors. Ah ouais, en effet, j'avais 8 voitures de police et elles sont toutes sorties. Ah bah ouais. Qu'est-ce que je voulais faire, moi, du coup? Je sais plus. Comme d'hab, épée à la mémoire courte. Ouais. Ah là là. J'ai choisi bien mes compères hein, pour mes émissions. C'est vrai, je te jure. Ah, tu nous formes, hein. Ah ouais, clairement pas encore. Hein. Ah bah c'est vrai, j'ai pas de pétrole. Ah. 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 Bon, on va y voir. Carte du terrain. Ah bah ça va. Je pensais que c'était du pétrole raffiné, mais non, c'est juste du pétrole brut. Ouais, mais j'ai pas de pétrole. Bête. Ah. Bon. Ça, c'est fait. Bon, ouais. Bah les gens sont globalement contents, hein. Ouais, globalement. Trop de crimes, mais globalement. Écoute, taux de popu... Ah ouais, non, 67%, c'est pas terrible. Ah, je suis en hôpital, moi. Je m'en rappelle même pas ce que j'ai. Oh. Je fais une tâche, hein. Bon, il veut que je passe au l'énorme commissariat de police. Je pense pas. Pas encore. Bah, le truc, c'est que là, ça va, j'ai plus d'un million, tout va bien. Mais bientôt, je vais dépenser un million pour le projet. Et d'un coup, j'emmènerai plus aussi l'argent. Ça descend vite, hein. Le fait. Ben oui. Et puis surtout, une fois que c'est descendu, ça a du mal à remonter. Oh non, une panne d'électricité. What? Mais non. Oh. Mais par contre, la population, pareil, ça monte et ça descend. Là, j'étais descendu jusqu'à 61 000. Et là, je suis monté à 75 000. J'ai eu mon amélioration. Et je suis redescendu à 71 000. Enfin, pff. Oui, c'est du... Ouais, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Les pompiers sont loin. Ah ouais, j'ai qu'un camion de pompiers. On a... A priori, on a tous les trucs de l'hôtel de ville, j'ai pas besoin d'en faire un autre, là. Non. C'est pas plus mal. Non, bah c'est sympa, c'est visuellement intéressant d'en avoir plein. Mais après, ça coûte tellement cher que... Oui, voilà. Vaut mieux se partager les frais que... Oh bah nickel. J'avais tous mes impôts à 9%, j'ai tout monté à 10 et maintenant je suis à 13 000 par heure. Ouais. Ça me va. Attends, ils vont faire tous la gueule. Ouais. Oh ça va. Enfin tu me diras si je suis déjà à 66%. Et ça risque de freiner un peu après. Hein. Oh, ça va. Bon allez, je rallume mon réacteur nucléaire. Tous à couvert. Fuyez, pauvre fou. Écoute, en éducation, je suis à quasiment 3 sur 5. Ça va être bon quand même, faut arrêter. Ouais. Un séisme. Mais je m'en fous, de toute façon, j'ai un autre truc à côté qui génère aussi, donc je vais tout simplement arrêter celui-là quand je commencerai l'autre. Ah, par contre, du coup, j'ai plus assez d'eau. Bah oui, c'est vrai, vu ce que ça consomme, ça. Ouais, ça consomme beaucoup, hein. Bah ouais. Rien à F. Oh. Ah, j'étais resté poli. Ah, bon, on dira rien. Oh ouais.
mettre là, ça fait trop boche. Ah, ils sont pas super contents en fait. Hein. C'est limite. Ça alterne entre niveau d'éducation modéré et sécurisé. D'accord. Ma population est contente. Ah. Ouais. C'est cool. Ouais. J'aime bien qu'ils me produisent du flouze. Bah, ils me produisent. Qu'ils me rapportent du flouze. Bon, tu m'as compris. Ils produisent. Oh, bravo, le blanchissement d'argent. Je vais ramener tous mes flics chez toi, tu vas voir. Bah non, c'est faux. C'est pas vrai. Oui, bah non, si c'est faux, c'est pas vrai. Oh, ouais, hein, bon. Voilà. Comme tu dis, ouais. Je suis en train de détruire toutes les maisons. Bon, tout le monde se barre de chez moi. Hein. C'est une catastrophe. Mais fais exploser un réacteur nucléaire, c'est plus efficace. J'ai 18 maisons abandonnées, là. Là, t'es sûr qu'ils vont tous rester. Et après, tu vas comprendre le jeu. Ouais, je vais programmer un événement. Pas assez cher. Là, là, là. Trop cher. T'as un stade pro ou un centre d'expo? Centre d'expo. Ouais, non, centre d'expo, quelle que soit ta ville, il faut le poser. Ouais, je vais le poser. Mais bon, j'ai pas assez pour commencer justement le truc qui coûte le plus cher mais qui rapporte le plus. Ah oui, bah moi il est en cours et là il va me rapporter 96 000. Faire de rock. Ah bah c'est ce que je suis en train de faire, bah je crois. C'est ce que j'ai fait. Moi j'ai bu. Bravo. Mon cher ami, tu ne sers à rien. Ouais. Comme ça on est deux, hein. Bon. Lol. Non, faut pas recommencer comme avant, non. Si je t'améliore les routes, je te rase la tronche. Donc. Donc, quoi, c'est un mec qui t'a demandé ça et qui se ferait raser si tu. Ouais. Paf, pas chercher. Hein. Ouais, amélioration de la mairie. Ça y est, j'ai mon premier bâtiment qui vient de cramer. Mais... Bah écoute, je t'aurais bien proposé de t'envoyer quelqu'un, mais vu que tu t'es installé à l'autre bout de la carte. J'en aurais fait autant pour moi. En fait, non, j'ai pas envie. Très peu de touristes. J'ai du eux, hein, j'en ai 800 par jour. De quoi, des touristes? Ouais. On est combien, moi? On est 2800. Ouais, bon, hein. Hein, ouais, bon. Alors, ma statue de la liberté, elle me rapporte 39 000 par jour. Ah oui! Ah, bah c'est très bien, ça. Ah, moi, je pensais que ça marchait par heure. Non. Non, c'est par jour. Enfin, en vrai, si, sans doute que ça c'est par heure. Mais du coup, ça te fait ça s'affiche par jour. D'accord. Ah, mais pourquoi est-ce que tout le monde abandonne la ville, là? En fait, personne n'a d'argent. Qu'est-ce que tu fais quand il y a quand ils ont plus d'argent? Bah, ils quittent. Oui, non, mais d'accord, mais comment est-ce que tu fais pour empêcher ça? Qu'est-ce que... Tu baisses les impôts, t'augmentes la densité au niveau des parcs. Bah, la valeur du terrain. Puis généralement, ils reviennent. Mais j'ai pas envie de mettre d'autres parcs, moi. Bon, écoute. C'est soit ça, soit tu coules. Tu préfères quoi? Ah. C'est un conseil après, hein. Je peux te laisser dans la merde, moi ça me dérange pas. Hein. Ah, tu rigoles, tu jubilerais de me voir dans la merde. Ouais, totalement. Belle mentalité, tu vois. Je suis sûr que Vavoy est d'accord avec moi. Tout à fait. Non, mais cherchez pas, vous êtes tous de ligue, de toute façon je vous aime plus. Comme si tu nous avais aimés. Ouh. Merde, je suis grillé. Pourquoi il s'est installé là, lui? D'accord.
Alors, qu'est-ce que je peux faire d'autre, moi? Les gens font la gueule, apparemment tout le monde meurt. Un hôpital pourtant, non? Oh, j'ai 10 personnes qui meurent par jour. Ah bah quand même, hein. Un hôpital? Oh, j'en ai 0. Oh, bah c'est bizarre. Non, mais non, j'ai une clinique. Bon, bah je vais le remplacer par un hôpital. Et ils arrêteront de me faire chier. Forcément, s'ils meurent, ils sont pas prêts de te faire chier. Exactement. Merci, enfin quelqu'un qui me comprend. Ah, pour une fois. Ah. Ok, donc j'ai tout mon quartier le plus peuplé qui est en train de flamber. Et vu que j'ai 2 embouteillages, mes compiègnes n'y arrivent pas à temps. C'est bien. Ah, c'est cool. Bon, je vais mettre une autre caserne de pompiers à l'autre bout de la ville. Pas les trucs de bus. Ah bah. C'est pas bien. C'est pas bien. J'aimerais bien les trucs de bus. Je sais pas où les mettre, mais je vais le mettre. Oh là là, c'est un peu la merde chez moi quand même. Ouais. Quoi, ouais? Non, rien. Rien, rien. Un problème, tu lances fight? T'es bien, toi. Bon, bah écoute, on va enlever toutes ces ruines. Ah, toute l'entrée de ma ville qui a flambé, en fait. Ça fait bien, ça t'arrive dans la ville, genre, oh, je vais voir la statue de la... Ouh, c'est quoi, ça? Une fumée rouge. Bah, fumée rouge, noire. Bah, oui, bien sûr. Oh, mais... C'est sacrément inquiétant, du coup. Faudrait que j'aille voir ta ville, parce qu'elle a l'air assez psychédélique. Non, il y a des rues partout, mais c'est tout. Il y a des rues partout. C'est pratique. Quoi? Non, oui, non. Non. Tant pis. Bon, voilà, j'ai tout le quartier qui est en train de se reconstruire. Génial. Bah, et du coup, bah, j'ai perdu 6000 habitants. Toi qui voulais avoir des habitants, bah voilà, t'en as. Bah non, justement. Il se plaint parce qu'il a des habitants qui reconstruisent chez lui. Non, en plus, c'est les commerces, ceux-là. Ah. Venez chez moi, pas cher, pas cher. Et merci. Allez, je vais bientôt pouvoir améliorer mon université et commencer le grand projet. Et là, t'as un crash boursier. Pouf, plus personne. Tout le monde quitte, ta vie est rasée par l'explosion du réacteur, etc., etc. Et on la veut, cette J'aime explosion. Votre... Ouais, voilà, j'aime votre confiance en moi. Projet, ça fait plaisir. Je suis un spécialiste des explosions de réacteurs nucléaires, donc... Je peux t'aider si tu veux. Oh, écoute, ça me fait plaisir, hein, ça me touche, mais... J'ai envie d'essayer ça seul, tu comprends. Ok, ok. En clair, il veut pas te... Bon, après, ça se comprend, mais... Comme tu dis. Ah, ok. Bon, bah, j'ai plein de mecs qui veulent venir m'acheter mon pétrole. Sauf que, bah, c'est tellement. Il y a tellement d'embouteillages qu'ils arrivent pas à rentrer dans ma ville. Bon. À un moment, j'avais fait une connerie, c'est que, justement, là, t'as l'autoroute qui traverse un petit peu la ville. J'avais détruit. Ça dépend de la région. Ouais, ça dépend de la région. J'avais détruit l'entrée. Sauf que je pouvais plus construire l'entrée. Du coup, ouais. Bah, ma ville avait plus de route. Ah, c'est fâcheux. Bon, bah, du coup, tant pis. Oh, j'ai des bus. En fait, mais c'est ça le truc. Moi, mon éternel problème, c'est les embouteillages.
quoi que je fasse. Je crois que c'est un peu le cas de tout le monde. Hein. Pas encore pour moi, mais ça va venir. Oui, bon, en même temps, toi. Sont-ils instruits, mes élèves ? Pas du tout. Bah, bravo. Moi, je viens juste de détruire mon école primaire. Je me suis souvenu qu'on... Alors, à partir du moment où t'as mis un niveau plus élevé, t'en as plus besoin, il me semble. Ouais. Bah, surtout que c'était une école qui était à 905. Ah, mais j'ai aussi un lycée ici. Tu vois, l'école primaire, elle avait une capacité de 950. Il y avait 160 personnes qui allaient tous les jours, j'ai envie de dire. Je suis arrêté les frais. Là, pareil, le lycée, c'est quoi? C'est 100 personnes max et il y en a 650. Ah, 650 quand même. Non mais allez, oust, tout le monde à l'université. Même si vous n'avez pas le niveau, vous y allez quand même. Je veux que des surdoués dans ma ville. Ou des criminels. Ah là, très bien. Nico de tonton. Réacteur thermique deuxième génération développé. Ouais, ça c'est moi qui ai développé. En même temps, il y a merci, tu veux me permettre de détruire ma ville. Mais de rien, c'est un plaisir. Le mec, il aide à la faire péter. C'est pratique. Bah ouais. Et moi, je vais mettre mon école d'ingénieur. Hop. Allez, objectif d'ici la fin de la... Ah bah non, j'allais dire d'ici la fin de la journée, atteindre les 2 millions. Mais vu que je vais lancer le projet, ça va me prendre 200 000, à peu près. Ouais. Bon. Ah mais j'en ai combien des trucs d'éducation chez moi? J'ai aussi une fac. Bon bah la fac, oust. Voilà, tout le monde à l'université. Oh non, j'ai encore des incendies. Tout le temps le même quartier en plus. Je devrais mettre une station de pompiers vraiment juste là. Voilà. Juste en face de l'hôtel de ville, ça fait sérieux. Vous prenez tous ? Bah c'est pas grave. Je me vois bien en tant que maire à l'intérieur. Hein, quoi. Vous avez regardé... Ouais, je cherche pas. Regardez le dernier épisode de Game of Thrones. Je regarde pas Game of Thrones. Saison 3, épisode 5. Sans doute. Bon, je ne spoilerai à personne qui nous regarde. Vous pouvez continuer à regarder la vidéo si c'est. Mais il parle d'un dirigeant. Je ne dirais pas lequel, je ne dirais même pas s'il fait partie vraiment de la série. Mais il parle d'un dirigeant qui voulait brûler tout son peuple. Je le savais pas, on l'a appris que dans cet épisode-là, c'était vachement intéressant. Et évitez de dire exactement qui c'est dans les commentaires, hein. Je vous connais, je vous vois venir. Hop, et donc, école d'ingénieur, c'est celle-là. Ouais, ils se retournent tous vers mon centre d'exposition, mais allez-y, venez, venez. J'ai envie de produire. Hop. On va commencer à 200 000 pour le projet de station spatiale. Enfin non, de station. Enfin oui, à terme, absolument. Oui, à terme. Mais voilà. D'ailleurs, ceci dit, moi je l'ai jamais fait. Donc qu'est-ce que ça va nous donner concrètement d'avoir ce projet? Centre spatial. Alors. Ah mais va pas sur Wiki. Hein. Non, mais je vais pas sur le wiki, je connais. Moi, je dis que tu vas pouvoir découvrir les carbonautes et les cracher sur ta ville. C'est ça. En fait, quand on va dessus, ensuite, ça nous lance KSP. Et je vais pouvoir envoyer mes vaisseaux sur vos villes. C'est cool. Beaucoup d'idées, ouais. Il y aurait des hommes verts dans ma ville. Ah non, mais les aliens ils sont chiants quand ils viennent, ils prennent leur rayon laser, ils te détruisent un bâtiment et après ils se cassent comme si de rien n'était. Bon, ils font pas grand chose hein, en vrai. Ouais. Moi ils m'ont pris une vache. Le plus drôle c'est les zombies.
D'un coup, tu vois, invasion de zombies, c'est quoi ce bordel? Mon voisin est un zombie, c'est normal? Oui, t'en fais pas. Mais sinon, ce que j'aime bien lors des invasions de zombies, tu vois, y a juste un mec devant sa maison, il a un flingue, il tire sur les zombies, et les zombies qui le tapent, mais le mec il meurt pas. Ni les zombies d'ailleurs. C'est trop zarbe. Ouais. Tu pars de qui, de quoi? Non, mais cherche pas. Lors des invasions de zombies. Bref. C'est de la bonne, hein? Ah, totalement. C'est de la bonne. Ouais. Et... Bonjour chez vous. Totalement. Mais non! Je vais pas avoir assez là-dedans. Oh yes. Juste assez de place. Tac. Bon, j'ai mis une nouvelle truc de pompier parce que là vraiment. De toute façon, je suis toujours. Là, je suis à 11 000 par heure, alors vraiment, je peux me le permettre. Ouais, c'est vrai que. Ah, et le grand commissariat, je vais me poser aussi. Usine de processeur approuvée. Yeah! Au fait, j'en aurais besoin du processeur, moi. Donc que je fasse une connerie. Bah j'allais dire pour le grand projet, mais t'es pas avec moi donc. Ceci s'appelle un troll. Moi non. Non, non, moi je troll jamais. Je sais pas ce que c'était comme bruit, mais. Enfin bref. Non, moi j'ai plus besoin de métal et d'alliage. Bon, bien sûr de pétrole, mais ça c'est qu'un détail. C'est surtout du fric, oui. Pava, t'as du j'allais dire t'as du fric. Non, t'as du pétrole. Non. Et même si j'en avais, je te le donnerais pas. Okay. Et boum. Bon. Oh. Ça c'est un O qui me dit... Oh. Oups. On a un aéroport dans la région? Eh oui, moi. Ah. Bah ouais, pour c'est... ça. Oui. C'est intéressant d'avoir les hélicos du coup ou pas? Bah, les hélicos. Ouais, pour le... La mairie? Non, non, pas la mairie, le truc de pompier. Ah, oui. Oui, c'est intéressant? Oui. Mais ça coûte super cher. Hein. Oui, bah, t'as du fric, tu le dépenses, hein. Bon, hop. Oui, oh, oui, non, je suis à 15 000 euros. Ah, non. Bon, bah, tu le dépenseras plus tard. Non, non, 15 000 par heure. Ah! Ah la vache! Ça coûte ah aussi bah, cher? De quoi? Ça coûte aussi cher, le 15 000 par heure? Non, 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 je génère 15 000 par heure. Ah! On va s'en sortir. Oh bah, tu t'exprimes qu'on a un manche à balai. Bon, bah sur cette jolie expression d'épée, on va s'arrêter là? Ouais. Voilà. Bon bah moi je vous laisse. Bon finalement, niveau population, j'aurais gagné genre 4000. Par contre, j'aurais gagné un tout petit peu d'argent. J'ai mis de très très bons services dans la ville. J'ai mis la statue de la liberté. Et j'ai lancé le grand projet, bien sûr. Et vous savez quoi, on va terminer l'épisode en allant voir ce que vous avez pu nous pondre. Pondre? Ouais. Je t'ai une pondu catastrophe un truc. Encore. Bah ben oui, tu m'as pondu un truc. Tu t'en souviens pas, t'aurais dû le sentir passer quand même. Ouais. Ah là là, la triste jeunesse, va. Triste vieillesse. Aussi, ouais. Ouais, ouais. Bah, je suis une grand papy, moi. Ouais, bah, on verra ça, hein. Je sais pas. Oui, on verra ça. Oui. Oui, mais non, non. Non, non, non. Oui, non, cherchez pas. Bon, tout ça, je vais le couper parce que, bon. sur mon écran, je suis en train d'attendre que le truc charge en plus. Ah, c'est cool. Regardez. Ah, voilà, alors. Carty n'est pas très sain. Bah, si, il est sain. Qu'est-ce qu'il fout? 7000 personnes chez toi. C'est un peu le bordel, hein. Je vais pas, je peux pas dire, mais... Non, non, je suis chez toi, là. Merde.
Eh, j'ai une université. Elle est où l'entrée à ta vie? Ah ouais, elle... Oh, elle est dans un coin, c'est mal foutu ça. Bah, ouais. Et t'as vachement d'espace entre tes trucs, quoi. Genre autour de ton aéroport... Ah, mais c'est prévu que je reconstruise un truc pour le minerai, ici. Ah, ok. C'était prévu à l'avance. Sans le vouloir, mais c'était prévu à l'avance. Écoute, t'as pas de problème de circulation, toi? Pas du tout. Bah, c'est assez hallucinant, hein, parce que quand je regarde rien que ton centre d'expo où il est placé... Bon. Bah écoutez, sur ce, on se laisse. Voilà la ville d'Épée. Et dans le prochain épisode, on commencera avec la visite de Vava. Bon, allez, salut à tous.